coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 27 janvier et je vous retrouve pour dénoncer les youtubeuses qui vous incitent à acheter des choses. Alors moi, la youtubeuse qui est visée, c'est Sylvie de la chaîne Sylvie colle tout partout. Je suis désolée, il faut que je dénonce. Il y a un moment donné, on ne peut pas. D'accord? Si mon banquier, il fait une crise, c'est moi, je vais lui dire, c'est de la faute de Sylvie. À un moment donné, il ne faut pas abuser. Hein. Donc, voilà. Sylvie, elle a fait son tag du lundi et elle a utilisé une petite enveloppe comme ça. Et je trouvais trop mignon. Donc, j'ai dit, il me la faut. Donc, j'ai été sur le site de Craftelier et j'ai acheté la petite enveloppe. Mais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tous les articles m'appelaient. Prends-nous. Comment je vais faire quand même? C'est pas possible. Je ne peux pas. Et puis, en fait, j'ai vu qu'ils étaient trop malheureux. J'ai dû les acheter. Je suis désolée. Donc, j'ai acheté ce tampon de la marque Carabel Studio. Diapositive. Voilà. Il m'a appelé, il pleurait et j'étais obligée. Ensuite, j'ai pris ce pochoir de la marque Stamperia. Alors, on n'a pas les prix parce que sur le Craftelier, ils ne mettent pas les prix sur les factures. Ensuite, j'ai trouvé ce dice de Laura by Laura pour faire des enveloppes aussi. Ensuite, j'ai pris ce set pour reliure d'album. Bon, voilà. Avec la, enfin, il y avait la trousse offerte. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris du papier de riz. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé tellement beau. Je ne sais même pas comment on s'en sert, mais bon. Il était tellement beau, j'ai dû le prendre. Donc, j'ai pris celui-ci de chez Stamperia. Voilà. Celui-ci, toujours de chez Stamperia. Et là, je ne sais pas la marque, c'est quoi? Artiste Décor? Ouais, ça doit être ça. J'ai pris celui-ci. Bon, là, les feuilles sont grandes, c'est dur pour vous les montrer, mais voilà. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Et, ben, voilà, comme j'étais partie sur ma lancée, hein. Je me suis dit, je vais aller faire un tour sur la fourmi créative. Et du coup, j'ai pris... Non, mais j'ai pris qu'un article, là. J'ai été raisonnable. D'accord? J'ai pris ce tampon de Holland Create. C'est le numéro 428. Voilà. Ça, c'est pour mon tag de lundi prochain. Voilà, du coup, bon, ben, je suis désolée, mais vraiment, ce haul, il n'est vraiment pas de ma faute. Je ne suis pas responsable. Et à un moment donné, il faut que les gens prennent leur responsabilité. Et c'est Sylvie la responsable. Voilà. Bon, je rigole, bien sûr, hein, c'est une blague. Mais c'est vrai que sa petite enveloppe m'a donné envie. Du coup, ben, voilà, comme je pense comme nous tous, dès qu'on va sur un site de scrap, on fouille, et voilà, j'ai craqué. Mais voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Voilà. Bye bye.